Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle partie, dixième si je dis pas de bêtises, d'Amnesia Rebirth. On n'est pas du tout avec un monstre probablement terrifiant, je l'ai pas vu mais il est probablement terrifiant ce monstre. Et il a un rayon bizarre. Attendez. On l'a eu ça? Ok. It is the first time I have seen him in a week. And it is as if 10 years have bent his spine, sapping the flesh and the color from his cheeks. Il est en pause le jeu à côté, hein. Are red rimmed. They will not meet mine. Fear grips my heart and starts to squeeze. Son, he says, she is with the gods now. Alors juste, je voulais vérifier un truc parce que j'ai regardé les noms dans Amnesia d'Amnesia Dark Descent. Donc le personnage principal s'appelait Daniel. Et il y avait bel et bien un Alexander, et c'était Alexander von Brennenburg. Je suis quasiment sûr que c'était le nom qu'on avait vu. Hein. Alors par contre, va falloir que je le retrouve. Mais ouais, voilà. Ok, bon, je viens de trouver un petit peu. Bon, là, on a Brennenburg. Brennenburg, c'est Alexander. Alexander von Brennenburg, c'est son nom. Là, on a une note à Khaled. Non, c'est pas là. Voilà, c'est là. Khaled prendra les fonctions de Daniel. Donc, a priori, hein. Je peux me tromper. Ah voilà, note à von Brennenburg, c'est bon, c'est bon. Au cas où. Au cas où. Donc il y a un lien avec Dark Descent. Voilà, c'est tout ce où je voulais en venir pour l'instant. Évidemment, comme je l'ai dit, moi je suis pas un expert du lore amnésien. Donc je m'éviterai de faire des commentaires sur... sur ce que ça apporte en termes de lore. Je suis protégé. Je peux pas le déplacer. Non mais il est où? Ah, il est là. J'ai tremblé au moment où il a fait son truc. Oh là là. Non mais regardez, c'est quoi cette chose ignoble là? Comment ça fonctionne? Oh. Ah mais c'est terrifiant. Hein. Je me suis encore laissé au pire en... Pardon. Il vient pas de se passer ce que j'ai cru qu'il s'est passé là. Hein? Il s'est pas TP. C'est insupportable. Bonjour. Putain, mais il est méga proche! Sinon, on tente une autre méthode, mais à mon avis. À mon avis, son rayon laser, là, si je suis dans sa zone, je suis mort, quoi. Le problème, c'est qu'il était là. Aux dernières nouvelles, il était là. Hein? Pourquoi elle tremblait comme ça, là? Calme-toi, hein. Calme-toi, Tassi, s'il te plaît. Hein. J'ai besoin de toi, là. Hein. Moi, je vais pas y arriver tout seul. Hein. Allez. C'est terrifiant. Elle est là. MDR, elle est là. Comment je passe, moi? Je veux bien, hein.
je suis armé. Attendez. Ouais, attendez. C'est quoi cette bête? Oh! Va chercher. Non, va pas chercher. C'est une blague. Rigolez. Enfin, je pensais que je le lancerais beaucoup plus loin. Non mais attendez, c'est un détraqueur en fait. C'est complètement un détraqueur. Ah bébé. Ah mais il est proche. Mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'elle est proche cette saloperie? Mais comment ça fonctionne? Je vais encore rester une heure là-dessus. Hein. Les speedrunners le détestent. Tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. C'est une blague. Je rigolais. Je rigolais, je voulais pas y aller. Mais attendez, ce halo lumineux, c'est lui, là. Non. Oh, oh. C'est insupportable. Je déteste. Non, mais ce qu'en plus... Parce qu'en plus, il faut que j'aille chercher mon cristal. C'est méga cool, ça, en vrai, comme histoire. Hein. C'est beaucoup trop cool comme histoire. Hein. Oh! Vous êtes des malades. En vrai, je vais mettre des objets à lancer. Hein. Oh, parce qu'il faut que j'aille récupérer mon cristal qui est là. Et lui, il est juste à côté. Il s'amuse à faire des rondes à côté. Mais quel enfer. Surtout que c'est le... Non, c'est le cristal qui l'a réveillé. C'est pas le cristal qui l'attire. On est d'accord. Je vous espérais. Attendez, il n'y a pas de chemin. Alors. Parce qu'en plus, après, il faut... Bonjour. Tu m'as pas vu, hein. Pourquoi elle tremble? Je bouge pas la souris, là. Arrête de trembler, Tassi. Y a pas du tout... Une créature qui est ici pour manger ton âme. Ok, elle est partie. Elle est partie par ici. Oh putain. Oh! Non. Non, non, non. Non. Tais-toi. Oh mais non mais je déteste ça. Mais quoi? Ah mais en fait je regardais pas. Non.
Non, 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 non. Il va me voir là. Ah non. Oh, le détraqueur. Le détraqueur complètement con, qui n'a pas ressenti ma peur. C'est peut-être à sensuer la joie, les détraqueurs. C'est vrai. Par contre, il vient dans cette salle. Oh. Oh. Et encore, si je pouvais l'enfermer là-dedans, ce serait cool. À chaque fois qu'il fait son rayon, je suis en mode, oh mon dieu, est-ce que je vais mourir instant? Il est où? Ah, du coup, maintenant, je sais même pas où il est. Mon cristal est là, hein. Toujours. Ah ouais, ça va faire 15 minutes. Hein. 15 minutes et on n'a pas avancé. Par contre, il y a eu un moment donné où j'ai l'impression d'avoir été contre un mur. Il me repère pas à travers les murs. Putain, mais c'est insupportable. Hein. Il m'a vu. Tais-toi. Non, il est juste à côté là. Pas possible. Oh. Ah, il est là. Mais je te déteste. Hein. Oh, le détraqueur. Non. Mais ouais. Trop relou. Ouais, je commence à être dans la peur, moi. Bébé, tu veux pas me rassurer un peu? Ouais. Attendez, la boussole m'indique quelque chose. Moment ou jamais, hein. Ouais. Oh là là. Je pense que en vrai là, la seule solution potable, c'est que j'aille en courant. Alors je dis potable. Mais non. C'est quoi cet enfer? Je veux avancer, je peux pas. Je suis mort. Là, je suis mort, par contre. Non, bébé, c'est pas le moment. Bébé, attends 2 secondes. Mon problème, c'est les TP aussi, là. Comme ils se TP en plus. Genre, c'est insupportable. Hein. Je commence à avancer vers mon rayon. Bah ouais, bien sûr. C'est vrai qu'il était pas suffisamment... Hein? Il était pas suffisamment vénère comme ça. Il fallait qu'il se TP en plus, quoi. J'avoue. Non, j'avoue. J'avoue, c'est du grand art. Putain, si je pouvais l'attirer quelque part, quoi. Il est où? Petit détraqueur. La non-confiance. Je suis caché. Hein. Ouais. Oh, mais non, mais au secours. Bonjour. On dirait qu'il a un globe, lui aussi.
Non bah oui, c'est vrai, il faut pas le regarder, c'est vrai, j'avais oublié. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que la présence du monstre n'est pas suffisante à la peur. Ça va. Parce que moi je serais déjà mort de peur en fait, IRL. Quoi ? Mais non, mais vas-y, abuse pas là. Toujours plus proche aussi. J'en ai marre. Chaque fois que j'essaye d'avancer, il est là. Comment vous voulez que je fasse ? Genre, c'est moi qui ai les pires timings ou comment ça se passe ? Ou genre, quand tu t'approches de la porte, il te détecte automatiquement et il vient vers toi pour dire bonjour. Mais vas-y, moi je sais pas jouer à ce jeu, moi. Je vais courir. On va partir en courant. On va mourir avant. Non, 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 tu me vois pas, non. Mais non, non, non. Mais non. Non, 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 non. Mais non. Qu'est-ce que je fais? Il est en plein milieu. Pire timing, hein. Ça me one-shot pas. Il est encore devant ou pas? C'est vrai que j'ai jamais utilisé de laudanum de ma vie d'ailleurs. Toujours le laudanum. Mais Non mais par contre c'est abusé en fait. Surtout que là j'ai pas pu passer à côté de lui. Donc moi ma technique de courir, elle a même pas pu fonctionner. Mais vas-y, va se re-tépé devant moi, je vais encore mourir. Quoi. Bon, comment je fais? Bébé. Ouais. Oh là là, ça fait 20 minutes. Je sais pas combien de temps ça prendra pour vous là, mais. Je pense que ce sera relativement court, en tout cas par rapport à moi. Mais tais-toi, putain, j'en ai ras. Oh saloperie, je te déteste, je te déteste. Sache que je te déteste, peu importe où t'es, je te déteste. Déteste. Non mais je vais y aller en courant. Sachez-le, sachez qu'après 20 minutes où je n'ai pas bougé. Ah bonjour. Je me suis pas beaucoup déplacé mais on va dire que ça passe parce que t'es très con. Hein? Bébé, c'est pas le moment. On a déjà parlé. En même temps, à chaque fois que je veux passer, il est là. Toutes les fois où j'ai essayé de passer, il était devant. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, au bout d'un moment? Bonjour. Il m'a détecté. C'est quoi ce bruit? C'est insupportable, hein. Je vais y aller en courant et puis basta. Hein. Tant pis si on meurt, hein. Tant pis pour la fin. Hein. Mais arrête! Arrête de faire ça, t'es insupportable! Des traqueurs de merde! Est-ce que si je lui lance un objet à la gueule, vous pensez que ça marche? Infernal. Je suis bien mort là. Non mais le détraqueur. On avait dit pas à Poudlard. Oh c'est terrible.
je déteste cette phase, je déteste ce boss. Enfin, ce boss, ce truc, cette chose. Qu'est-ce que t'es, toi? Qu'est-ce que t'es, hein? D'abord. Je repars là. Hein. Repartons dans la lumière, tout va bien. Bon, j'ai menti, tout va pas bien. Mais... Ah, mais attendez, il y a peut-être une range en portée en hauteur. Attendez, je pouvais passer par là. Oh, j'aurais pu pas. Non, si. J'aurais pu passer par là. Je suis dégoûté. Après. Après, j'ai une technique. Après, j'ai une idée. En vrai, j'ai une idée. Non, normalement, il devrait venir par là. En fait, moi, ma technique, c'est de faire ça et de faire le tour après. Voilà. Ah bah parfait, là j'ai fait, voilà, au moins j'ai coincé le rideau comme ils font. Par contre, Pépito, faut venir. Genre t'es venu deux fois ici, les deux fois où j'avais pas envie. Fais un effort, s'il te plaît. Putain, mais je lance des objets dans la gueule, il réagit pas, mais ça m'énerve. Bon, il réagit pas, mais il est pas loin. Mais c'est de lutte. Je suis bloqué en plus dans un... Oh, au secours. Mais non, mais... En fait, je suis à moitié... Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Lutte. Mais non. Je vais mourir. Hein. Mais non, mais... Ah, lutte, lutte, lutte. Oh bah, c'est mort. Qu'est-ce que t'es? Adieu. Oh, je te déteste. Sale bait, sale bait, sale bait. Je lutte quand même, je me raccroche à la vie. Ça marche plus, c'est fini, c'est terminé. Tout ça, 26 minutes, 26 minutes d'enregistrement pour n'avoir pas bougé d'une putain de pièce. Je le vis bien. On peut dire que je suis revenu avec le cristal et que c'est bon. Oh là là. Mais attendez, mais je suis mort. Je suis mort qu'une autre fois avant. Pourquoi mes mains elles sont dans cet état? C'est à ce point dégressif, c'est terrible. Ou il faut que je prenne du laudanum? Non mais attendez, parce qu'en vrai, moi ça m'inquiète là. Les mains qu'on a et tout, les bras qu'on a, ça m'inquiète. Le problème c'est que le laudanum, je sais pas si c'est une bonne idée d'en prendre. Bon là, le monstre il est parti. Voilà. Voilà ce qu'il fallait faire. Bon, peut-être pas que ça, mais... Voilà. Psst. Non, mais au moins, il n'y avait plus d'ennemis, quoi. Mais, Oh, putain. Ouais, bon, bah... Désolé, YouTube. Hein. On n'aura pas une bonne fin, à mon avis. Hein. Mais bon. Écoutez, Écoutez, moi, je veux juste la fin du jeu. Peu importe laquelle. Hein. Commencer, c'est très bien, hein. C'est une découverte. Hein. Alors attendez, ce qu'elle a dit, c'est mon moyen de sortie, mais... Moi, je suis perdu. Ça y est, je suis perdu. Je suis full du père.
le cristal. J'ai vu un truc là-bas, je me suis dit non, je vais ouvrir. Ah mais oui, c'est vrai, je suis là. Il faut que je crée de la Vitalis, c'est vrai. Pas de la Vitalis. Faut que j'arrête de dire Vitalis. Hein. Vitalis, c'est dans Black Tail. Et sûrement dans d'autres trucs, hein, mais... C'est toi qui parles ? Ah, super. Bonjour. Attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Bonjour ? Hello, can you hear me ? I don't know. Grunt or something if you can hear me. Christ, so close but I can't reach you. God, even if you can hear me, I don't know how to get you out. Ah ? What am I going to do ? I'm sorry. I'm sorry I don't know how to help you. I need to get out of here. I can't help you. I'm so sorry. Très bien. Je vais faire une bêtise encore, je sens. Oh, attendez. Hein ? Il manque un réservoir ? Bah non. Enfin, on dirait, mais... Au secours. Bébé. Regarde pas ce que fait maman. Maman, elle va récupérer du sérum pour te guérir. This is how they got Vitae. These machines, they inflict pain, and Vitae comes out. That's what I'll have to do if I want to make you better. Hein? Ouh là là, ou attendez. Oh, mais, ouais, mais du coup la vitesse, hein? Ah. D'accord. Oh. Mais moi il faut que ce soit jeune ou il faut que ce soit non, il faut ah. Ah. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je ah? Parce que là je sais pas ce que je fais en fait. Là, on dirait un symbole de feu, donc est-ce que je vais le brûler? Je ne sais pas. Ah, mais attendez. Ah! 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 Hein? Oh, mais au secours, il y a encore... Oh, hein? Attendez, c'est pas la même... Si, c'est la même télécommande. Pourquoi il y a deux fois la même télécommande? C'est terrible. Bon, et ça... Mais ça, on n'a pas le... Ça, il faudra encore un autre truc pour un autre bloc d'énergie, là. On l'a pas. Donc là, on a ça. Ça, c'est avec de l'eau. Paf, tu lui mets dans la tête et paf, paf. Ça, c'est pas clair. Et ça, c'est létal. Ah, ça, ça a l'air létal aussi. J'ai l'impression que tout est un peu létal. Hein. Et le truc, c'est pour faire la vitaille, il me faut quoi ? Parce qu'ils sont marrants, mais il y a une autre télécommande là. Oh, mais attendez. Combien il y a de télécommandes? Combien il y a de cuves? En fait, limite, j'hésite. Je pense que je vais sauvegarder. Au cas où si je fais une bêtise. Ouais, on va faire ça. Oh, mes mains. Oh, ça va pas du tout, hein, Tazi. Hein. Ça va pas du tout, Tazi. Hein. Oh, Amari. I remember when Alice was like this. When we didn't know the future of my love. We will go home. We will. I do not like the look of this. Ah ouais. Trop bien. Trop, trop bien. C'est génial. Ah ouais, on va vraiment... Prépare-toi pour ton exécution, quoi.
Non mais ça non plus c'est... Ouais non non non, je rigolais. Non je rigolais j'ai dit. Mais non mais... Secours. Ah. Ah. Attends tu parles. Mais attendez mais y'a combien d'épées là? Ça? Attends, tata. Ça? Tu veux ça? Ouais. Pas convaincu non plus hein. Non mais arrête. Ah, il faut que je reproduise le pattern du coup. Mais attendez, mais quel pattern? Et ça c'est quoi? Ça c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh bah ouais. Tiens, je vais te mettre une araignée sur la tête. Ouais, c'est ça. Ça c'est l'eau. Sinon, il y a les pinces, mais les pinces, je pense que c'est pas terrible. Et la chaleur. Après, en fait... Le seul sous lequel il y a des symboles, c'est ça. Ah non, là, attendez. Ouais, non, là en dessous, il y a des symboles aussi. Ah, et là, il n'y a pas besoin... Là, il n'y a pas besoin de cellules d'énergie. Je comprends pas trop, je vous avoue. C'est quoi, en fait... Quel est l'intérêt là de ce qu'on est en train de faire? On veut récupérer de la vitaille. Alors on va juste sauvegarder 2 secondes. Ok, on y est. Donc là c'est bon. Bon là c'est le temps que les textures se chargent, hein, évidemment. Putain. Ça va aller les textures là? Oh, j'ai l'impression d'être sur Borderlands. Quand les textures se chargent pas sur Borderlands. Ah ça y est, ça va mieux. Bon. Eh ben c'est l'heure de s'amuser. Moi je vais mettre ça. Je vais mettre le bleu. Je sais pas, j'ai un bon feeling avec le bleu. Du coup on a placé. On est bien sûr que c'est sur la bonne main. A priori c'est la main de gauche. En haut à gauche. Voilà. Là c'est beaucoup plus clair, c'est sûr. Là aussi d'ailleurs c'est beaucoup plus clair mais... Alors, la télécommande. C'est celle-là. Bloop. Ah. Ah, c'était là. Ok. Hein? Allô? Pourquoi ça marche pas? Ah voilà, là ça va marcher. Il a pas l'air d'avoir très envie hein. Non mais c'est un peu, c'est de l'eau, t'inquiète, c'est juste de l'eau. Faut que j'actionne le levier j'imagine. Non mais actionne-le. Non, je voulais arrêter. Je voulais arrêter avant que ce soit létal. J'ai dit arrête. Quoi non? Ah non hein, pas le détraqueur hein. Faut que j'aille là-dedans. Je sais pas, on va tenter hein. Ah non. Après, un truc auquel je pensais, peut-être que la peur. Peut-être que sans le nombre de. C'est pas forcément le nombre de morts, mais aussi la quantité de peur que t'accumules. Faut arrêter. J'aimerais bien arrêter. On va continuer hein. Ah mais j'avais pas vu les petits boutons. Je peux pas arrêter de toute façon. C'est fini, c'est trop tard. Maintenant que j'ai commencé, c'est comme une opération chez le dentiste.
C'est juste le temps que l'aiguille elle passe. Ça pique un peu. Mais ça va aller. J'ai l'impression que je suis en train de le buter. Hein. Le pire c'est qu'en plus, comme j'attends, genre, en réalité c'est encore plus cruel parce que je vais le tuer au final. Mais je le fais durer. Je crois que ça a été létal. Ah, ah bah oui, salut toi. This will cure Amari. She needs V-time. This will aid. Well, I've come this far. Je le sens pas. Ça me semble tellement être un piège à la con. Oh bah ouais, en plus, non mais est-ce que vous avez vraiment envie de vous asseoir là-dedans, vous? Est-ce que vous dites bah oui, bien sûr. Je vais m'asseoir là-dedans, c'est génial. Non. Et pourtant, je le fais. Hein. On fait les pires choix, comme d'hab, hein, comme d'habitude. Je pense qu'on fait à peu près tous les choix qu'on peut faire dans le jeu. À mon avis, on va prendre les pires, hein, comme d'hab. C'est un classique sur cette chaîne, j'ai envie de dire. Sauf que ce coup-ci, c'est pas volontaire. Après, je comprends pas pourquoi il y avait trois trucs différents. Super. I don't know if that worked, little one. I hope you're all right. That this was all worth it. Oh, let's get out of here. Bon, ça va, bébé? I can't believe what we've done. I don't even know if it's helped. Après, j'avais le choix entre le carboniser, l'empaler et lui mettre de l'eau dans la gueule. Excusez-moi d'avoir choisi de lui mettre de l'eau dans la gueule. C'est terrible. Je sais pas trop la différence que ça peut avoir. Après, techniquement, la vitae, ça vient des émotions. Donc c'est vrai que le feu, ça aurait peut-être pu être pas mal. Hein. Niveau émotion, je pense que tu... Je pense que c'est... Ouais, il y a du level. Ah, c'est là où il y avait le détraqueur. MDR. Vous vous rappelez? On était là, nous. On est resté là pendant 30 minutes. Non, mais ça, on l'a vu, ça. Non? Oui, oui, on l'a vu, oh, c'est bon, hein. Lui casser le cou alors qu'elle t'a donné de la nourriture, c'est bon, j'ai compris. Hein. Bien sûr. D'accord, en fait, c'est la seule torche que j'avais pas allumée ici, du coup, j'ai lâché mon allumette là-dessus pour rien. Nice. Non, saute pas trop comme ça. Mais oui. Je me rappelle pas que c'était autant les ténèbres. Ça. Et let's go. Come on, Amari. Let's see if it will take us home. Alors j'ai un léger doute si ça nous ramène à Alger, hein. Enfin, en Algérie, mais si jamais ça le fait, tant mieux. D'accord, on a même plus des mots maintenant, c'est... Maintenant même plus on nous dit quoi que ce soit, on a même plus de... On a juste une horloge, et une photo d'Alice, bourreau,
Bah ouais, je sais, bourreau. Bah ouais, super. Ouais, je sais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, j'ai fait ce que je peux, hein. Oh, God, Amari. What else could we have done? What else could I have done? That could have been Salim, or Hank, or any of us. This place. This horrible fucking place. It's making me into one of them. Mais c'est vrai que ça, à mon avis, c'est bad choice un peu. It's worth it for you, little one. You're all I have. Parce que surtout que, enfin, voilà, ce dialogue into le succès, ça me laisse vraiment penser que t'avais une autre solution et ouais, j'étais vraiment pas chaud moi de base pour mettre de la vitaille dans le bide. Hein, je vous avoue. Je vous avoue que si j'avais trouvé la solution, je l'aurais prise en fait, mais bon. C'est pas grave. En fait, disons que dans l'échelle que j'avais de choix, de possibilités, je me suis dit, bon ben, l'eau c'est peut-être le moins létal. Bon, malheureusement, c'est suffisamment létal pour que je sois considéré comme un bourreau. C'est vrai qu'il avait pas l'air de passer un bon moment. Mais, bon... Voilà. Bonjour. Oh non. Ça va? Bonne ambiance, hein. It's all right, little one. A rift ah bah oui. Out of this world, see? We can use the bracelet to get through here. Come on, open up. How do I get the doors open on this thing? No. Non. Stop, goddamn you, stop. Non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Non, ça, non, ça c'est pas drôle. Je suis désolé, c'est pas drôle. Non. Non. Pourquoi tu fais ça, le jeu? Je voulais rentrer à la maison. On est peut-être proche de la fin du jeu aussi, hein. Je sais pas. Je sais absolument pas où on en est dans le jeu. C'est stylé par contre. Hein? Pardon? What is this noise? My bracelet. The rift can't be far. Allez en face. Qu'est-ce que c'est que ces portails? Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Every one of these is a living person. Oh god, no. Oui, 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 bébé. We need to get to one of those great places. That's our way home. Hey, okay, 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 okay. I swear we have no goddamn luck. Caché. Hein? MDR. Les détraqueurs. Non, non, tu me vois pas. Ah ouais, mais j'avais pas vu qu'il y en avait 12 milliards en fait. Je suis mort. I'm so fucking dead! Lutte! Ils sont horribles ces mobs. Surtout que des fois j'ai l'impression qu'ils te mettent dans des boucles presque infinies. Ouais, voilà. Non, mais c'est bien. Non, 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 pas la lampe. La lampe. Elle est où la lampe à huile?
Oh, je vais devoir lutter. Non. Oui. Oh, bienvenue en enfer. Bienvenue en enfer. J'ai pu Ouais. Déjà. Et les détraqueurs sont de retour. J'ai plus de lampe, hein. Du coup. Je le vis bien. Hein. Tu peux arrêter de trembler comme ça? Je suis censé être dans la lumière là. Non? Quoi? Pourquoi j'ai des visions? Pourquoi j'ai une vision mais pas une grosse vision en fait aussi? Oh, on va passer par là, hein. On va passer dans les coins. Hein. Ça y est. Ça y est, ils sont là. Bébé. Ouais. Oh god. Mais non! Mais lutte! Mais non, mais... Pourquoi elle veut pas lutter? Je vais mourir. Là, je suis bientôt mort. Sachez-le. Mais non! Mais dans l'autre! Deux secondes, hein. Ok. Tu paniques! Et tu paniques! Mais non! En fait, je crois qu'il faut que je... Quand il faut que je lutte, il faut que je parte de là, quoi. Faut que je sorte de son rayon, c'est ça? Finalement. Tu peux ouvrir la porte? Ok. Quel enfer, cet endroit! Je déteste ces trucs. Ah. En fait, j'allais dire... Ah bah là non plus, il n'y a toujours pas de son, mais en fait... Je pense que c'est assez équivoque, en fait. Ouais. Une table avec juste deux couverts. Ouais, ouais, ouais. Au secours. Bébé. Si. Pourquoi tu veux qu'il dorme, bébé? Je veux dire, bébé, il pourrait très bien juste nous donner des coups de pied à l'infini pour nous rassurer. Moi, ça me va. Hein. Miam, miam, miam. Ah! Atta. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Non, on est toujours... Oui, non, je pense qu'on est toujours au même stade de grossesse. Hein. On est toujours à 8 mois, quoi. Ça y est. Ah, je pense que... Je pense que prochain TP, prochain voyage, on accouche. Hein. Le seul truc, c'est est-ce qu'on va devoir gérer bébé? Est-ce qu'on va avoir bébé vivante dans les bras et devoir se cacher avec bébé qui pleure? Ce serait horrible. Sachez-le, hein. Que la touche pour toucher bébé, ça devient une touche pour le bercer. Tu chantes la mélodie. Quel enfer. J'espère qu'ils feront pas ça.
Ouais, d'accord. Ah, moi j'y vais, hein. I am dead. I am not dead. Pas encore. En tout cas. Mais arrête, arrête les visions. Non mais là il faut vraiment que bébé il me rassure parce que je suis terrorisé. C'est pas prêt de s'arranger visiblement. Non, c'est bon, regardez, tout va bien. MDR. Donc tout ça, c'est des gens qui permettent de donner de la vitae, c'est ça? Qui les met en la... Bah du coup, ça doit être l'impératrice en vitae. Est-ce qu'elle chercherait pas à faire de nous la nouvelle impératrice pour avoir un gosse? Ah, un globe. C'est le globe, ça. Pas du tout. Bonjour. J'ai eu le succès pour avoir trouvé toutes les notes et je les ai pas toutes. C'est bizarre. The world has shattered with it. My own eyes have seen the most skilled of my kindred wither into floating wraiths of nightmare. Despite all, the Empress still lives, crouching atop the tower like some vast spider, draining life and pain from the factories. It was our task to bring her reign to an end. And I failed. I still have Kita's formula. If any companion, stranger, explorer of the ruins finds this, then take the vial. It will seed the red flesh into the vitae and spread it through the system. Finish my work. End the suffering. Forgive our folly. Bon, techniquement. Bon, du coup, ça veut dire que les trackers, c'est les anciens. Oh, c'est pas les. J'ai plus le nom. Non, c'est les ducs. Voilà. Non, non, non. Mais du coup, le fait de disséminer de la chair rouge dans la vitae. On est d'accord que normalement ça aura pas d'influence sur moi. Parce que la vitae, bon, j'en ai eu, mais c'est fini. L'impératrice, elle l'a en permanence. C'est ça qui pose problème, non? Bah ouais. Comment je peux trouver de l'huile pour lanterne sans lanterne? We just have to reach that brightness. There, on top of the building. That's the rift. Ma lanterne. Est-ce que je pouvais la récupérer? Je l'ai jamais récupérée. Possible. Bon, si je fais ça, il se passe quoi? Hein? Attendez, je redirige le flux.
Après, peut-être que je peux utiliser... Ah ! Un injecteur. Pour recevoir des disques liquides. Paf ! Hein ? Comment ça ? Pourquoi il me dit x4 ? Pourquoi ça brille ? Je comprends pas. Après, j'ai quoi ? J'ai eu... Ah ! Ah ! C'est ça qu'il voulait dire. Et là, je les ai contaminés. Ah oui, non, là, du coup, il faut que je retourne le... refasse tourner le truc. Par contre, la chair rouge, voilà, ouais. Ouais, voilà, ouais. Ouais, ouais, voilà. C'est pas Jojo, quoi. Non, mais... Hein? Voilà, passe. Ah. Ah oui, non, il est là. Ne saute pas là-dessus. Voilà. Damn it, that hurts. Quoi? Non! Oh, les détraqueurs! Vous m'avez pas manqué. Je peux pas aller au-dessus. Ouais, ok. Je suis sous l'eau. Attends, ça marche vraiment? J'en reviens pas. J'en reviens pas que ça marche. Hein. On peut le suivre en fait. Il te détecte pas automatiquement. J'aurais cru. Bébé. Voilà, calme les ténèbres en moi, bébé. Oh non, mais par contre lui il est ultra mal passé. Hein. Ah non. Oh les pires bails. Pire bail. Arrête de te coincer. Oh non. Il est où? C'est épais ce bâtard, non? Mais non! Hein? Faut essayer d'être plus sur ma position là? Bon. Allons par là. Parce que ça a l'air d'être par là. Ou à côté. Je sais pas. Je sais pas si c'est par la lumière ou pas.
Mais moi je vais là. C'est une blague. Elle est où la bête? Quelle saloperie. Putain, je la vois pas du tout en plus. Je pense que c'est ça le plus terrifiant dans cette histoire. C'est vraiment que je ne sais pas où aller. Allez, ça va aller. Voilà. Oh putain. Oh mais les ténèbres là. Calmez-vous. Oh. Et ça continue encore et... Bah ouais mais... Connerie. Connerie. Saloperie. Je te déteste. Ah ouais c'est ça ouais. Eh bah écoute, on avance encore un peu plus vers la folie. J'adore ça. Tu veux pas en éliminer une ou deux au passage de ces bestioles là? Je m'arrangerai hein. Plutôt que de refaire tout le chemin en arrière. Et de revenir au point de départ. Ouais. C'est de plus en plus vénère. Je suis où moi? D'accord. Bon, l'avantage, c'est que j'ai passé cette étape chiante. Ils sont insupportables les détraqueurs. Yes. Come on. Come on. Allez go. Allez, on monte et on va pas tarder à s'arrêter, je pense, pour cet épisode, mais... Ouais, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter pour l'épisode. Bah, par contre, là, s'il me spot... Ouais, d'accord, c'est loose. Hein. D'accord, je peux rien faire, là. On est d'accord, ça va s'effondrer au dernier moment? Sinon, c'est pas drôle. Ou alors, on va me sauter dessus. Oh, Marie. I just want to lie down now. Just for a little while. But we can't stop, can we? Hein? Mais En fait, y'a vraiment besoin du bracelet pour voyager dans les failles God and Mother Mary. Look at this place. All these people. So much torture and pain for what? To keep the lights on? Let's get out of here. Alors, il y a un truc qui m'inquiète, c'est ça. Mais bon. Au revoir les détraqueurs. C'était cool. Hein. J'adorais. Hein. Adorais ça. Ok. D'accord. Bon, allez, go. Dis pas ça. D'accord. C'est normal qu'il fasse tout noir. Mais dis pas ça. Dis pas que ça pourrait pas être pire, parce que ça peut toujours être pire. Si ça veut bien charger, en tout cas. Ah. Oh. Oh. This onset in infancy. Fever, usually seizures, degeneration of the nerves, slow development, such as lead to vomiting, suffer loss of hearing. The muscles may atrophy. No known treatment. This will cause breathing difficulties. This within the year. Invariably fatal. See.
Ouais. Amari. Donc voilà, bon, on sait exactement de quoi souffrait Alice et visiblement de quoi est censé souffrir Amari. C'est sympa. C'est... Ouais, je disais dégénérescence, ouais, ouais, c'est qu'un détail en fait, la dégénérescence finalement. Hein. Quand tu vois la liste des symptômes, quoi, c'est insane. Ça doit être sympa à vivre. Hein. Oh. Enfin, la partie Alice, je la trouve très, très réussie, mais bon, je reviendrai dans les détails une fois qu'on aura terminé le jeu. Mais je trouve que ça fait mouche, globalement, la façon de s'y raconter et tout. Ah, au secours, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'arrête là ou pas? Parce que moi, ça commence à faire un petit moment que je tourne. Je sais pas combien de temps l'épisode va durer, mais en même temps... Je pense qu'on devrait pas être très loin de l'heure de vidéo, hein. Donc je vais peut-être m'arrêter là, même si là on vient de perdre les os. On est visiblement plus que... Just hang on, my love. Hang on. We need to get somewhere safe. Plus que sur le point d'accoucher. On est en plein désert, évidemment, hein. Ça c'est la base. Mais ouais, alors courir. Ah ouais, bon, on est pas loin. On est pas loin. Oh, elle a l'air au bout de sa life. En même temps, je peux comprendre qu'elle soit complètement au bout de sa life. Pourquoi j'ai encore ça? Pourquoi j'ai plus là? Ah. Est-ce que le laudanum un jour? On verra, on va le voir, le docteur Medir. Ça se trouve, il va être content qu'on ait pas pris le laudanum. Ça se trouve, non. Bah tiens, on va t'en parler du loup. Docteur! Oh, thank Christ! I need you now! I know it's crazy, but the baby... My waters have broken. Taken, Yasmin. Come to the tower. Do you... The tower. I'll try. All right. Hold on, little one. Just hold on. Ça va aller, bébé. Non, mais on va s'arrêter. Juste, je voulais revenir sur 2-3 points. Déjà, j'ai bien aimé la phase qu'on a eue là. Enfin, bien aimé. Pas la révélation de ce qui arrivait à Alice, ça, je vous avoue que, bon...
Bon, je me serais passé de certains détails, peut-être, on va dire. Mais je trouvais intéressant en termes de mise en scène le fait qu'elle nage pour essayer de rattraper ce qui semblerait être un mari, du coup. En tout cas, l'enfant qu'elle considère comme un mari. Et qu'elle s'en éloigne au fur et à mesure. Je sais pas si ça peut changer ou pas. C'est toujours la même cinématique en fonction du choix que t'as fait avant parce que quelque part le choix que j'ai fait du coup avec la Vitae, malgré moi, hein, du coup le choix de bourreau, peut-être qu'après peut-être qu'il y avait un moyen d'extraire de la Vitae sans provoquer de mal en fait. Peut-être ça le truc. Peut-être que dans tous les cas tu t'ingères de la Vitae. Je sais pas comment c'est fichu, mais peut-être que le fait d'avoir installé la Vitae, voilà, j'ai fait le choix de sauver mon enfant à tout prix. Je sais pas si avoir des bonnes conséquences, hein, ça, voilà. Mais bon, est-ce que du coup c'est pas une représentation finalement du fait que en voulant se rapprocher, on s'en éloigne, etc. Ça, je sais pas. J'aime beaucoup donc voilà les phases en passé, mais je reviendrai sur tout ce qui est Alice quand on aura fini le jeu. Et juste un truc là, le docteur Médière là. Docteur Médière, il est chelou depuis le début, hein, pour se mettre bien d'accord. Et en fait, je viens juste de tiquer le fait qu'il soit docteur. Donc, est-ce que c'est possible qu'il travaille plus ou moins sur les projets de Tinan et que en fait, il soit au courant vraiment de tout et que c'est son but depuis le début? Parce que là, il dit que ouais, ils ont pris Yasmine, mais qui a pris Yasmine? Et pourquoi? Et à la tour, rendez-vous à la tour, ouais, mais hein? Voilà. C'est quand même intriguant. Lui, il a l'air d'en savoir beaucoup plus que nous sur la situation, mais en même temps, à chaque fois qu'il est sur le point de nous donner des infos, ça coupe. Donc je suis assez curieux. J'ai hâte de voir la suite, mais ça, ce sera la prochaine fois. Eh oui. Même si, bon, vu là où, enfin, je sais pas. Mais c'est pas impossible à mon avis que la fin du jeu arrive dans la prochaine vidéo. Tant donné que mine de rien, j'ai l'impression qu'on a bien avancé. Après, je sais pas, ça se trouve, il y a encore toute une phase une fois qu'on a bébé et tout, hein, mais. Mais j'ai l'impression que narrativement parlant, on est potentiellement dans une des dernières phases du jeu. Parce que là, on a eu le mystère Alice qui a été révélé. Globalement, il nous reste plus beaucoup de questions. Enfin, il en reste pas mal, mais plus tant que ça et plus qu'ils peuvent. Enfin voilà, je me dis que bon, on est potentiellement dans la dernière ligne droite du jeu. On verra bien. Sur ce, portez-vous bien. Bye bye.